Oh bordel de merde, ce bordel sur la rocade. Ah puis là ça fait encore tout le tour de la rocade. Salut la station, salut l'autre station que j'ai entendu dans le lointain derrière. Je crois que c'est Gilles que j'ai entendu dans le fin fond. Ouais, c'est le bordel à Bordeaux. C'est la frappe totale. Ah bah oui. Ah je suis content, je sors juste du boulot, j'ai 65 bornes à faire. Eh ben, je vais avoir le temps de profiter du paysage. C'est dommage qu'il pleut, quoi. Ah ouais, c'est dommage qu'il pleut. C'est dommage que les bars soient ouverts aussi. Là, il y a la totale. Puis en plus, c'est un long week-end. Hein. Donc là, eh ben voilà. Eh ben voilà. Non, il n'est pas rendu. Stifleur, j'ai entendu dans le lointain. T'es 73, Stifleur. Ouais, tu es sur Saint-Henri-Cuzac. Eh bien, pour ma part, là, je suis à la ça doit être la sortie 10, Mérignac. Voilà, sortie à côté de l'aéroport, là, par là, dans ces coins-là. Quoi. Eh bien, oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais, hé hey. Attention, kilomètre 33-01, kilomètre 33-06. Allons la Lune, ici la Terre, me recevez-vous, les 73, Daniel. Les 73, attends, mon petit Rémi. Bon, c'est humide aujourd'hui. Ah, t'as remarqué, toi aussi. Ah, mais tellement que le temps a été pourri, là, que je suis resté au chaud, j'ai rien fait sur l'antenne aujourd'hui. Ah, si, trois coups, tu m'étonnes. Ah ouais, et puis là, je sais pas, j'ai pas regardé la météo, mais j'ai comme dans l'idée que ça sent pas bon pour le week-end. Bah, ok, allez, stop, c'est parti, là. 73 à tous, Daniel, kilomètre 33-06, avec kilomètre 33-01, Rémi. Voilà, je suis en direct, mon petit Rémi, voilà, je te fais une petite vidéo, là, voilà, c'est ton retour, là. Ça y est, t'as tapé la rocade, là, je pense. Ah, ouais, alors tu as Stifleur qui est derrière ce Saint-Henri-Cuzac, tu as une station à 1000 pattes, oui, je crois, là, qui est sur la rocade, et moi, j'aimerais bien, moi, attaquer la rocade. Mais seulement, c'est que là, je suis à la... Ça doit être la sortie 10, ouais, c'est ça, là, pour attraper après la rocade. Alors, l'emmerdement, c'est que les gens qui sont sur la rocade sortent là pour s'engouffrer, là, sur le rond-point et rattraper la rocade, là, aussi sec. Comme ça, ils gagnent 50 mètres. Mais 50 mètres de distance dans toute une vie, t'imagines pas à quel point c'est énorme. Alors forcément, et ben, du coup, ça bloque tout le monde. Voilà. Ok, il y a Pierre-Bix qui est dans l'arbre, Rémi, alors je fais un petit coucou. Voilà, c'est pas trop près. Pierre, voilà, Daniel, kilomètre 33-06, parce qu'on s'est arrangé à l'ingénieur dans le vide. Voilà, de toute façon, oui, la date n'est pas bonne, mais sur l'heure, c'est juste, voilà, je vais demander qu'il faut regarder le taxi. Oui, bah écoute, avec le temps qu'il fait, c'est sûr que la rocade, là, bordelaise, c'est le bazar. Voilà, en plus, c'est vendredi, c'est le grand week-end, donc il y a des départs en vacances, il y a tout ça, et puis des broches à la mobilisateur, hein. Voilà, mon petit Rémi, donc bon courage pour rentrer. Bon, mais comme ça, on va pouvoir rester un petit peu à faire la conversation, ainsi, oh là là, ça me rend pas d'être resté au chaud, moi. Ouais, il y a d'autres stations aussi, là, je vais leur repasser le micro. La première station qui m'a répondu, là, qui est sur la rocade, vas-y. Bon, apparemment, t'es pas sur la rocade, tu dois être ailleurs. Ah, mais ça serait pas... Oh, zut. Oh, bah merde. Ça y est, j'ai oublié... Zut, qui est sur Mérignac. Ah, ben j'ai oublié le QRZ. Ah, c'est pas Jean-Marc, c'est pas de la printemps. Non, enfin, je dis non, mais je pense pas. Non, j'ai pensé à zut, comment il s'appelle, le coyote. Il y a un coyote sur Mérignac.
Voilà, on a le coyote sur Libourne, mais il y en a un aussi sur Mérignac. La dernière fois que je l'ai eu, c'est hier en fréquence. Le coyote de Mérignac, tout à fait, oui, c'est vrai qu'on avait dit, c'était ensemble, tout à fait. Ah oui, tu vois, mais le fait de pas l'avoir recontacté, ça fait, c'est pas évident du tout. Hein. Voilà, c'est pas évident du tout. Bon, ben, enfin, peut-être qu'il était derrière. Alors, c'est du monde derrière, le 73, là, de Daniel, kilomètre 23,06, vous comptez en local, voilà, sur Bordeaux, 73 à tous, c'est pas de route. Voilà, ceux qui veulent rentrer, il n'y a pas de souci. 14 km 33-10, 14 km 33-01, les modes 73. Il y a Stifler aussi qui est là, de Saint-Alme-Cuzac. Il y a une autre station là, qui m'arrivait assez bien, justement, là, sur le QTH. Et ben on a un peu de monde. Qui a dit qu'il n'y a plus personne sur le 19? Voilà, il suffit de prendre le micro, tout simplement. Mais ça, ça c'est pour la petite anecdote en passant. Beaucoup disent qu'il n'y a plus personne sur le 19, mais combien dans le lot prennent le micro? Ah, ça, grande question. Allez, on passe à autre chose, ça c'est fait. Salut Daniel. Ouais Daniel, tu as Gilles dans le lointain qui t'envoie les 73. Oui, je crois que t'as dit 33-10, alors c'est Gilles. Alors Gilles, les 73, Daniel, 100 ans, kilomètre 33-06. On fixe bien sûr sur ce système dérangeant. Voilà, est-ce que tu as la copie, Gilles? Retour. Ah oui, je t'entends, je suis en mobile en tête. Je t'entends pas, mais pour moi c'est inaudible, Gilles. Hein. Rémi, retourne au micro là, parce que Gilles, je sais qu'il parle, mais c'est inaudible pour moi. Hein. Ah, tu m'étonnes, ils ont été deux à parler. Oui, la seconde station là en avant, là, qui m'arrivait assez bien. Quand tu arrives à la maison, je vais t'envoyer la télé, tu vas voir, tu m'entends pas. Ok, Gilles. Gilles, tu n'es qu'une petite station. T'as vu ce qu'ils t'ont dit sur Facebook? Allez, et moi qui en remets une couche. Non, non, moi j'ai une station importante, moi. Voilà, c'était à toi que je repassais le micro. Je suis à côté de la sortie 10, c'est-à-dire j'arrive à la hauteur de Suzuki. Voilà, BMW Suzuki, là, qui est sur le bord de la rocade. Ok, ben moi j'essaye d'attraper le pont d'Aquitaine en venant du chanteur routier, alors toi c'est pas mieux. Ah ben ouais, mais bon, t'es largement devant moi, là. T'es un chanceux, là. Ouais, la station, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, t'as les 73-51 de Dundee 33. Voilà, en compagnie de Centaure 33 qui est sur Saint-Médard, de Stifler 33 qui est Saint-Alme-Cuzac, de Vega 33 qui est aussi sur la route de retour, qui, lui, je pense, est du côté rive droite, je pense. Je pense peut-être mal, je sais pas, mais bon, il est sur la route aussi. Il n'y a que... Ah, je reçois un SMS, c'est pas grave. En roulant, je touche pas le téléphone. Ouais, voilà ce qu'on est là d'un seul coup, là, en fréquence. D'accord, la station, je te renvoie tout ça de JP51 et en direction de Saint-Laurent-d'Arc. Alors, j'ai pas compris. JP51, c'est bien ça? J'ai bien compris? Affirmatif. Ok, JP51, et bien voilà. Comme quoi, quand on prend le micro, il y a du monde. Voilà, il suffit de cracher dans la petite boîte qu'on tient, là, qui a un fil à la patte, là, qui rattache au feu au poste. Et puis voilà. C'est comme celui-là qui n'a pas compris que pour parler, il faut ouvrir la bouche. Quoique les poissons rouges l'ouvrent aussi la bouche, mais ils ont vite fait d'oublier ce qu'ils voulaient dire. Ouais Gilles, de ton côté, ouais bah oui, bah c'est. J'ai regardé tout à l'heure là sur Google Maps trafic. Voilà, c'est ça, pas de trafic de stupéfiants, non, c'est pas de ce trafic là que je parle, mais trafic routier. Et oui, c'est le bordel à Bordeaux. Ok,
Bon, si on parlait de bouchons, hein, il y a des bouchons sur la route, mais il y a aussi des bouchons de Liège. Et il y a une spécialité régionale aussi qui s'appelle, qui porte le même nom, qui s'appelle aussi un bouchon. Ah ah! Bon, évidemment, il n'y a que les Bordelais qui connaissent ça. Moi, je ne suis pas Bordelais, je ne connais pas. Allez, retour sur, sur Daniel. Oui, ok, ben écoute, Justice, je ne l'entends pas. Si la question de ma station, je lui envoie les bons chiffres, Daniel Fontor, kilomètre 3306. À titre d'information, il y a Laurent Louis qui nous regarde, il y a Mounir, il est 73 à toi, Mounir, voilà, il y a Pierre DX aussi, voilà, et donc il y a un peu de monde qui nous regarde. Hein. Ok pour ça. Voilà, et l'autre station là derrière, je ne l'entends pas non plus, Rémi, tu es le seul que j'entends. Et puis Gilles derrière, eh ben, 3310, je ne l'entends pas non plus. Hein. C'était vraiment très 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 bien fait. Ah, pourtant là tu perds de tu perds du monde pourtant là. Là Daniel tu le fais pas là. Là tu manques d'importance là sur le coup. Hein. Les 73 Mounir que j'ai pas entendu depuis très longtemps. Ça fait plaisir de savoir qu'il est toujours en vie. Bah oui, tiens, avec toutes les conneries qu'il y a eu en ce moment, on sait jamais, ça arrive à tout le monde. Tiens, ça me fait penser zut, comment il s'appelle? Ah je sais plus. Je sais plus. Quelqu'un qui était avant sur Orléans, qui a déménagé pour être sur le sud de Bordeaux, qui a 6000 pattes. Oh ben c'est, ça me reviendra. Ça me reviendra, mais pas au bon moment. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est dommage, hein, Daniel, que tu n'entends pas tout le monde, parce qu'il y a du monde là en fréquence. Ah, ouais, c'est vrai que pourtant, j'ai pas non plus de réception. Bon, mais ça vous dit que tu envoies un petit coucou, voilà, qui t'en passe le bonjour aussi. Hein. Voilà, puisque qui t'écoute en direct. Hein. Ah, si. Oui, c'est vrai que c'est longtemps qu'on n'a pas vu en radio et tout ça. Là. C'est vrai qu'il y a plein de problèmes comme ça qui malheureusement. Ça va se faire. Voilà. Oui, donc comme je te disais, Rémi, là, oui, je n'ai même pas bossé sur l'antenne là, puisque ce que j'ai fait là déjà, ce que j'ai posté là sur le Dipol, là, la façon de maintenir l'antenne et tout, là, c'est une ébauche. Hein. Voilà, j'ai juste vérifié ça comme ça pour voir ce que ça a donné. Mais là je vais la refaire carrément. Voilà, donc je me suis porté là. Voilà, donc voilà le support qui va supporter le dipôle, voilà, qui est en traçage, voilà, et donc dès que possibilité il y aura, je referai le système, et en plus là il faut que je voie, que je calcule aussi pour pouvoir mettre dans l'APL, en façade, tout ça, fait ça. Ce sera pas à se monter directement sur sa boîte, ce sera directement sur le support là, pour l'entrée. Voilà, donc ça sera la surprise dès que tout sera fini. Là. J'espère incessamment tout peu. Voilà, pour pouvoir faire aussi les essais, parce que dès que j'ai fini le support, là, parce qu'après il faut que je découpe, que je perce, et donc voilà, il y a encore un peu de travail. Et avec le pastifieux, ben, ça ne m'achante pas beaucoup. Voilà. voilà Rémi, donc retour le micro. Ok. Ouais, là je sens le truc pro, hyper design et tout. Ouais. Oh tiens, là je suis en train de déconner, ça me fait penser à une antenne là qui devrait sortir, une antenne verticale qui est hyper design et tout. Faudrait que j'arrive à trouver un moment pour voir où c'en est ça, si elle est commercialisée. Et surtout voir le prix, parce que quand tu vois le design de cette antenne verticale, tu te dis que là, ça doit coûter cher. C'est une antenne italienne, je ne me souviens plus le nom, peut-être l'EM ou un truc comme ça, je prononce peut-être mal le mot. À radiant, oui, ça c'est sûr. Mais le support des radiants, il est vachement profilé et tout. Hein. Tu dirais que l'antenne est sur un métal brossé ou chrome, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus, j'ai plus les photos devant les yeux. Quoi. Ouais, il faudra que je zoote un petit peu. Quoi.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, ça va être hyper chargé là de mon côté. Toutes les programmations et tout que j'ai fait là sur les réseaux sociaux, là, qu'on voit apparaître le matin vers 5h et puis après l'après-midi vers 16h, j'ai presque tout bouffé. Donc là, eh bien, j'ai passé mon temps à en refaire, à tout ce qui s'ensuit. Faut que j'alimente le groupe, le forum, je veux dire aussi, que je recherche de nouveaux trucs, et ainsi de suite. Oh, que je vois aussi du côté des salons, et ainsi de suite, ceux qui le font, ceux qui annulent. Oh putain. Bon allez, j'arrête là parce que là, le week-end, il est mort. Ouais, parce que de toute façon, voilà, vu comment je suis parti tout à l'heure, ouais, je basculais là sur le 32 en uniforme Sierra Bravo, voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, là j'ai vu que là, côté propague, et bien, ce sera pas ça, ce sera plus du local donc. Et qui sait, peut-être que la voix des ondes aura envie de se signaler, aucune idée. Des fois, il y a des surprises comme ça qui apparaissent. J'ai aucune info. Hein. Je glisse pas du tout un sous-entendu. J'ai aucune info. Mais c'est souvent comme ça quand j'ai pas d'info que paf, tain, ah bah tiens. On ne sait jamais. Mais on verra bien. Ok, Daniel. Bon, bah, de toute façon, moi, le QSO, hein, c'est clair que je sais où je vais le faire. Depuis le push. Voilà. Remarque, c'est pas plus mal parce que tu me dis en travail vidéo, ben oui. Parce que j'ai toujours pas commencé le travail de la vidéo d'avant-hier. Alors tu sais que moi j'aime pas laisser traîner. Hein. C'est quand c'est fait, c'est à faire de suite. Je passe du temps, énormément de temps dans le montage et tout ce qui s'ensuit. C'est pour être envoyé aussitôt. Hein. Là, c'est la première fois que je traîne comme ça aussi longtemps. Bah, tu m'étonnes. Le matin, je passe bien 50 bonnes minutes sur la route, dans le meilleur des cas. Plus, tout le temps de la vacation. Et l'après-midi, ça navigue entre 2h45, 2h15 de route. Et puis là, pour aujourd'hui, on verra bien. De toute façon, tu connais le proverbe, qui peut le moins, peut le plus. Alors, on verra bien, j'ai pas l'apéro avec moi. Daniel, vu que je suis coincé dans les bouchons, prépare l'apéro. Achis trois coups. J'arrive pour l'apéro. Tiens, tu vois, là, il passe plus fort, là, déjà, Gilles. Là, t'as dû l'entendre, là, ce coup-ci. Oui, en avant la station. Oui, la station avec le Roger Bip en avant.
Alors, il n'y a pas de radio, il y a juste le Roger Beep là, qui se fait entendre. C'est tout. Un Roger Beep un petit peu long pour la reconnaissance du beep. Mais c'est tout. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de son. Qui tient le chauffeur avec 73 à tous. Waouh, les 73 oh bah zut. Ah bah j'ai l'arco. Les 73 monsieur l'administrateur du WebSDR. Voilà, ça c'est fait. Toujours ici, c'est pour les ultimes. Ah si. 73, c'est Ludo. Voilà, Ludo, de l'U33, ça y est, ça me revient. Faut dire qu'on se parle pas souvent, mais bon. C'est pas grave, mon petit Rémi, comment ça va? Non, mais là, c'est normal. Là, les bugs en ce moment, c'est normal. Depuis là, quelques temps, je bosse quasiment en journée. À chaque fois, tiens, pour te donner une idée, le soir, je me couche de bonne heure vers les 22h quelque chose pour me lever à 5h moins le quart le matin. Bon, ben voilà. Sans compter qu'en plus de ça, je trouve le moyen de me réveiller la nuit. Ben oui, quand pendant 30 ans, tu as bossé la nuit, que d'un seul coup, on te demande de bosser en journée parce que, ben voilà, c'est comme ça. Et ben ça fait bizarre. C'est sûr. Moi, j'arrive à toute situation, du coup. À chaque fois que j'arrive à choper en fréquence, c'est bon, j'arrive. Ça m'agace. Bon, j'espère que c'est pas coincé les bouchons quand même. Non, je suis pas. Je suis en train de faire une vidéo, là, tu verras sur la vidéo, je suis pas du tout dans les bouchons. Mais qui a dit qu'il y avait des bouchons à Bordeaux? Attends, j'ai regardé la gueule de la roquette, c'était rouge dans les deux sens, tout le tour. Oulala. Pas dans les bouchons, hein. Un bon courage, hein. C'est une bonne patience. Ouais, c'est je suis en plein dans la zone de chantier là sur la rocade. Je suis en plein dans les bouchons. Alors attends, qu'est-ce que je vois? Sortie 8, 400 mètres, le Verdon, la Cano, le Taillan Médoc. Bon ben voilà, je suis dans ces coins-là. Ah bah aïe aïe aïe. C'est pareil, on voit qu'il y a des itinéraires de téléphone qui sont en train de s'utiliser là. Merci Wave. J'arrive déjà parce que je reprends un petit peu plus tard en fréquence. Là. Ok, ça marche. Je repasse le micro sur Gilles qui est de ton côté, 14 km 33-10. Allez Gilles, en avant pour Dolu 33. Il est en train de parler, mais bon, je le devine derrière, mais pas plus. Hein. Bon, ben, j'entends plus Gilles. J'ai entendu un poil vraiment très infime dans le lointain. Retour sur Daniel. Voilà pour Dolu 33. Oui, ok. Ah bon, il y a Mounir qui nous. En avant.
T'es rendu OK, Gilles. La station, ah bah c'est, j'ai du 55, 57, je sais plus par là-haut, le nordiste. c'est, t'as réussi à passer le pont d'Aquitaine? Bon, bah d'accord, ça c'est fait. Gilles, t'es rendu au cuir, hein, je crois, non? Ah bah oui, là tu prends davantage d'importance là pour le coup. Daniel, on te demande. Oui, Gilles, bah écoute, malheureusement pour moi, c'est inaudible. Voilà, c'est inaudible, tu pourras voir sur la vidéo, mon petit Gilles. De mon côté, là, je ne te ressens pas. Je me sens semblant de ce que tu parles, mais c'est inaudible. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je m'excuse. Si je ne te réponds pas, c'est parce que voilà, j'ai juste une bip en finale, ou quelques fausses phrases comme ça, qui me disent que tu as fini de parler, mais malheureusement, je te ressens pas. Je te ressens pas bien, quoi. Enfin, c'est vraiment. T'arrives moins fort que le cuir, hein. Retour, Gilles. Mais il arrive tout petit. Et monte ton antenne, petit civiste. Daniel, il te fait dire petit sibis de merde. Non, je déconne. Il demandait des stations importantes. Alors j'ai décidé de penser à toi, Daniel. Bah, le problème, pour ça, toi, j'ai pas beaucoup de QRM, je suis à 3-4, hein. Voilà, je suis à 3-4, mais la baisse de Gilles, elle est vraiment basse, donc si tu veux, pour moi, là, c'est inaudible, hein, voilà, le signal arrive beaucoup moins fort, enfin, sa baisse est beaucoup moins forte que le signal que j'ai, là, qui m'arrive, hein. Voilà, donc malheureusement, donc quand tu seras rendu dans la station fixe, je pense que ça sera beaucoup mieux. Mais là, là en mobile, là devant son QRA, là, celle devant la maison, là, c'est vraiment c'est quasiment inaudible. Voilà, ok, bah écoute mon petit Rémi, oui je d'après ce que tu m'as dit, là c'est pas encore arrivé à la sortie vite. Donc effectivement, t'as encore pas loin de la maison, donc ça va, on va pouvoir discuter, ça fait bien, alors, ça va, ça fait bien, ça. Ah ouais, mais je suis pas seul, il y a aussi Stifler sur ce train de Cul-de-sac, hein, qui est là également, là, en fréquence. Hein. Retour à toi, Stifler, si tu m'entends. Ok, d'accord, ça marche. On fait tous QSY sur le canal 32 en uniforme Sierra 32. Allez, on la refait. On fait tous QSY sur le canal 32 en uniforme Sierra Bravo. C'est parti pour moi. Ah, ok, QSY, c'est parti. Mais tout à l'heure, j'étais en voiture. On est parti sur le... Zut, j'ai loupé une vitesse. On fait tous QSY sur le canal 32 en USB. Je vais passer en USB, la station vient avec nous. Ah zut. Oui, kilomètre 4306, c'est Daniel sur les comptes, les comptes. Et moi qui viens de me taper un petit délire avec le clarifieur. Zut. Ah. Ah, j'entends le top Gilles. Oh, salut la carte de station de Lyon. Les bonnes amitiés à toi, mon petit Gino. J'espère que t'as bien travaillé. Il y a quelqu'un derrière. Un week-end, un grand week-end. Ok, voilà, mais comme je disais tout à l'heure, si t'as fait écouter, là, je travaille encore sur l'antenne, là, sur le support de l'antenne, là, du dipôle. Hein. Voilà, donc tu verras ça prochainement, là, dès que j'avais mes remèdes. Aujourd'hui, j'avais fait du lapin, j'avais pas
de sortir de Brice Colédo, puisque malheureusement j'aurais un garage, j'aurais été au garage. Si j'ai pas de garage pour pouvoir bricoler dedans, mais j'en ai un, mais il est tellement plein de bazar que je peux rien faire. Voilà, donc c'est pour ça. Je suis obligé de faire face à l'extérieur. Et là donc j'ai rien pu faire aujourd'hui, voilà Gilles. Donc voilà, il nous reste encore la semaine prochaine et un peu plus pour pouvoir finaliser l'antenne là. Et puis voilà, vous verrez ça. Ce que j'ai posté déjà, mais c'est juste une ébauche. Voilà, c'était pour voir ce que ça allait donner. Voilà. Et là, bah, écoute, il me reste le support à finaliser. Hein, voilà, c'est le support le plus long à faire, parce qu'il faut que j'ai les mesures, j'ai tout ça à faire, j'ai les côtes, il faut tracer pour mettre les fixations pour l'antenne et tout. Donc voilà, il y a plein de paramètres et ça demande du temps. Et puis avec la fatigue, j'avais pas envie d'être au froid aujourd'hui sous la pluie. Voilà, je suis pas un guerrier, je suis pas un warrior. Voilà, je suis une petite station qui va bien rester au chaud. Voilà mon petit Gide, voilà, retour. Enregistrez le break. Oui, Daniel, mais écoute, il faudrait que tu montes un peu ton antenne et nous aussi encore, parce que c'est pas encore ça. Mais bon, ça viendra à l'instant. Attends, il y a une station avec nous qui est en bouche vers le tour de pointe à suivi. Ok, voilà, au début que Daniel a repris le micro, ou toi quand tu l'avais juste avant, je sais plus. J'ai entendu une station là parler, se signaler derrière. Donc la station là qui s'est signalée derrière, si tu m'entends, qu'est-ce que je fais? Je passe de la quatrième à la seconde, à la troisième, je suis retourné en quatrième. Voilà, c'est bon, ça va mieux marcher comme ça. La station que j'ai entendue dans le lointain, si tu arrives à m'entendre, en avant. Bon, de mon côté, ça passe plus. Ok, retour sur toi, Daniel. Oui, ok, Rémi. Ouais, mais je ne sais pas si on n'a pas parlé en même temps tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si on n'a pas parlé en même temps parce que quand j'ai relâché le micro, c'était en train de parler. Et je suppose qu'on a dû parler en même temps. Donc, on verra ça dans le montage, quelque part en 5 minutes. Mais écoute, voilà. Mais je suppose qu'on a parlé en même temps. Non, voilà. Je pense okay. Pas. Voilà, donc, bon, mais écoute, je vais juste te dire, enregistrer le break. Non, là, il n'y a pas de problème, je t'entends. Ouais. Voilà, donc, c'est pareil pour l'antenne, il faudra que je rachète du tube là, pour essayer de la monter un peu plus. Là, et puis, je vais racheter. Deux tubes de plus, là, deux ou trois tubes de plus là, et puis voilà, pour monter un petit peu l'antenne là. Voilà, Gilles, peut-être que ça ira mieux après. Bonjour. Ok, non, je pense pas qu'on ait fait l'ensemble. Quand tu as relâché le micro, j'ai aussi tout pris pour dire enregistrer le break, mais pas plus. Ah si, moi je suis là sur la rocade dans les QRM. Et y a quelqu'un qui part derrière. Alors vu les j'ai un peu de QRM de mon côté, mais s'il y a quelqu'un qui part, ça suffit pour couvrir en tout cas. Non, Daniel ne parle pas. Il me semblait qu'on était 4. Sur le 19, on était 5. Là, j'ai l'impression qu'on n'est plus que 3. Je sais pas trop, on sait jamais. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer derrière, je ne sais pas. J'ai pas vraiment de j'en sais pas plus. Ah zut. Ah c'est à lui que j'ai pensé. Ah ouais, bon dommage. Eh zut. Eh oui, voilà pourquoi il faut avoir des postes multimodes. Ça permet déjà de pouvoir suivre les autres stations. Mais aussi quand on commence à être un petit peu trop loin, de pouvoir s'y récupérer comme ça plus facilement.
Ah si, bon maintenant c'est sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais avoir un multimode, c'est quand même un vrai avantage. Ah, c'est vrai, tu comptes toujours après une base. J'en ai une, mais j'aimerais bien aussi avoir une ceinture pour mettre dessus. Ah hein. Et tu veux la faire des petits? Ah, je sais où il y en a. Ah zut, putain de poste. Ok, d'accord, putain, j'ai l'alpha lima derrière qui... j'ai le relais là qui me fait des faux contacts. Vacherie. Quand je relâche, lui il n'est pas forcément d'accord. Il va falloir que je regarde si j'ai pas une soudure sèche, une connerie comme ça là dedans, là qui traîne de ce côté-là. Il m'embête, il m'agace, je reste poli. J'en connais une base, mais c'est une modératrice, elle veut me bannir si je livre sa base. Ah, j'imagine. Au fait, il nous manque Isabelle là, dans le QSO. Oui, ben, je sais pas ce que c'est en apparemment. Ouais, non, mais puis il faut dire aussi que l'annonce est mise pour 18h. Là, il est 17h. Allez, on va jouer la carte de la précision. 17h43, d'après ce que je vois dans le push. Et ben, forcément, forcé. Ouais, ça peut être sympa, puisqu'on est tous là au niveau vraiment au niveau local, c'est-à-dire avant que moi j'arrive là-bas à perpète les oies ou qui volent sur le dos. Et là, pendant que je suis sur Bordeaux, ouais, ça serait pas mal sympa, oui. Hé, hey, petit cachotier, t'as ton 600, on dirait. D'accord, donne-lui un parapluie parce que le temps il n'est pas terrible. Oui, il est aussi bien qu'il est un des rares dans son téléphone. Oui, c'est le petit coquin là. Oui, il a le numéro d'Isabelle. Hein. Nous on l'a pas. Hein. Oh, ça passe écrasé là. Non, mais. J'ai mes astuces. Si je veux l'avoir, je sais comment faire. Et sans même lui demander. Pareil. Ah merde. Comment c'est là, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Daniel? Ouais, je te disais, là, j'ai coupé la pile, là, j'ai que la puissance du poste, là. Hein. Ah, c'est la même chose. Tiens donc. Ah, c'est curieux, ça. Il y a, tu verras dans la vidéo que j'espère travailler ce mois-ci. Tu verras, ça fait pareil. Donc, ça viendrait d'où ça? C'est curieux quoi. Ben oui, c'est bizarre, ouais, parce qu'en plus, je ne monte pas. Ouais, je monte un camion ouais, là sur. Pardon pour les tickets. Oui, écoute, je ne sais pas. Pourtant, qu'avait la puissance du poste, là. Bon, mais écoute, je ne sais pas. C'est bizarre. Bon, mais ouais, pourtant, l'alimentation fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, là. Donc, bon, bah, écoute, voilà. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. J'espère que c'est. Ça va pas s'aggraver, surtout. Que ce poste là, sinon après terminé. Tiens, j'ai un espèce de connard là avec sa BMW. Monsieur se prétend avoir tous les droits. Et il a pris directement la voie de chantier pour aller ben, faire chier tout le monde. Allez, 40 mètres plus loin. Waouh, l'exploit du jour. Il a gagné 40 mètres de distance là dans toute sa vie. Quoi. T'imagines pas, sa vie est sauvée là. Non mais c'est moi, Isabelle, si tu nous entends, t'es une vilaine. Je sais que t'es derrière et tu veux pas nous dire bonjour.
Eh, c'est pas pour rien que sur Facebook, elle s'appelle Isabelle la Rebelle. Donc, quand Isabelle est la rebelle, il faut trouver son contraire pour la faire réagir et la faire venir. Bah oui, si tu trouves son contraire, forcément, pour le coup, elle va prendre le micro pour se rebeller. Ah zut! Eh bordel, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est. Ouais, je devrais avoir une soudure sèche ou comme ça. Alors, je ne sais pas si Isabelle est derrière, mais pour moi, de mon côté, je n'entends pas. Hein. Donc, je lui fais quand même les 88, si elle est QSL. Isabelle, Daniel, Kilomike 3306, le Centaure, sur ce même arrangeage. Voilà, si tu m'entends, Isabelle, bon, je te retourne pas. Ben, tu pourras t'écouter, ben, te voir sur la vidéo. Voilà, retour, Venise, voir si tu as eu QSL, si tu as eu la belle Isabelle. Non, pas du tout, mais regarde sur la vidéo de ton direct. Peut-être qu'elle se cache derrière. Sait-on jamais. Non, je n'ai pas du tout entendu. Non, quand même. Là, non. Je suis dans le virage de la clinique Jean Villard, en fait. Là. Voilà, toi, j'ai quand même vachement bien avancé, je trouve. Et ouais, ben toi, ça fait presque 50 minutes que je suis parti. J'ai quand même réussi à arriver jusque-là. Ah oui, quand même. C'est que j'ai 52 minutes pour faire 2, 4, 10 km. Je vois qu'il y a 6 km puisque t'as fait que tu sors à la 11, 10, 9, 8, 7, ouais, tu dois avoir à peu près 6 km là pour avoir fait 4 sorties. Ah ben c'est pas mal, hein, Benny, voilà. Tu vois ce qu'il te reste encore à faire pour rentrer à la maison. Ouais, ça le fait bien hein, quand même. Hein. J'ai hésité à passer par l'intérieur, par les boulevards et attraper le pont. Attends, je vais faire un excès d'intelligence là. Le pont Chabon-Delmas, là, le pont Levant. Voilà, j'ai la sortie Bruges numéro 6, bien qui je suis presque dessus là. Et je me suis dit. Ah, c'est choisir entre n'entendre personne sur la CB et peut-être mieux me sortir de là, ou rester un peu plus longtemps sur la rocade et avoir tout le monde en fréquence. Devine le choix que j'ai fait. Être sur la rocade un peu plus longtemps pour être un peu plus longtemps en fréquence. Voilà. La cachotière, elle est sur le web SDR. Je l'avais oublié celui-là pendant un instant. Elle est grillée. Elle doit se péter de rire derrière. Que ça m'étonnerait pas. Quoi. Ça, c'est des citristes. Car c'est si triste de voir des stations qui ne prêtent pas le micro. Ah oui, je lui parle sur les ondes, elle me répond sur... Bon, d'accord, ok. Là, encore faut qu'il pleut. La pluie, ça mange des belles plantes. Ah, plus sérieusement, je crois que... Je pense que son OM ne doit pas trop aimer la CB et que là, elle fait un effort pour lui, pour ne pas être tout le temps dessus, quoi. Je le sens bien comme ça. Que, ouais. Et oui, quand on est en couple, on fait pas toujours ce que l'on veut. Il y a des compromis. Je confirme. Ouais, je sais, avec la mère tape dure. Excellent.
Putain, pour le coup, on l'entend plus, Daniel. Il est en train de s'en prendre une, là. Manque de peau, elle était juste derrière lui. Elle a entendu ma connerie. Et pour le coup, là, il est en train de trinquer. Là, il est en train de manger sec. Hein. Manger sa mère, je veux dire. Ah, ça risque pas, parce qu'elle avait son chaud, elle est au cul, hein. Moi, je suis dans la cabane au fond des jambes, et... Ah merci, ça me met droite au cœur. C'est ce qu'on appelle de la solidarité. Et il faut dire aussi que tous les deux on se connaît quand même depuis 1988. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça, j'allais dire ça laisse des traces, mais ça va être mal interprété, bordel de merde. Ah si. Ah c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Ça, je dirais pas le contraire. Ah ouais? Tu le connais depuis plus longtemps que moi? Ah oui, c'est vrai en plus! C'est vrai! Eh oui! On est des jeunes! Jeunes, beaux et cons! Maintenant, c'est vieux, con et beau! Par contre,
quant à l'activation là, de jeu de dessert, là, demain, c'est trois jours, là, je pense qu'on aurait été à l'activation assez tard le soir. Hein. Voilà, donc on aurait pu discuter tard le soir, là, il n'y avait pas de problème, puisque, voilà, on était là, on aurait été là pour ça. Mais malheureusement, le web en question a eu des obligations de travail, là, pour, puisqu'il est agriculteur. Mais comme ça, moi, je finalisais l'antenne et puis dès que j'aurai 5 minutes, là, dès que je pourrai, je vais l'essayer, cette antenne, ok, Phil? Il répond plus, je pense que tu l'as saoulé en parole, là, pour le coup. Ah, excellent, gars. Bah, j'entendais rien. Parce que j'ai des QRM, mais au fait, Isabelle, elle vous fait dire qu'elle va vous tirer les oreilles. Parce qu'elle entend tout ce que vous dites sur le web machin, là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Voilà, je viens d'arriver sur le pont, là, du lac, là, de bord de l'eau, de bord de lac. Qu'est-ce que je vais chercher midi à 14h? Je suis en train de passer là sur le pont là, et voilà, j'aperçois les stations essence là droit devant moi là. Eh Rémi, elle a qu'à venir en fréquence. Hein. Isabelle, la vilaine, Isabelle, la rebelle. Dehors que pour le coup tout à l'heure on va nous péter une durite, elle va attraper le micro. Waouh, on va avoir tous les haut-parleurs des TX là, qui vont se jeter en l'air. Écoutez sur le web, qu'est-ce que c'est que ces guignoleries? C'est ça, c'est ça. De toute façon, allez, petite parenthèse, histoire de mettre une pointe d'humour, on va dire ça comme ça. Si on veut utiliser la CB de façon militaire, par exemple, entre guillemets, on passe à licence radioamateur. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir se faire plaisir, c'est faire de la... On fait de la radio, hein. On se fait plaisir, on rigole bien, on se marre bien, parce que, ben voilà, la CB, ben, c'est la CB du peuple, hein, avant tout. Et la CB du peuple, c'est fait pour quoi? Eh bien, c'est fait pour la convivialité, pour l'échange, l'entraide, ceci, cela. Et donc, dans convivialité, il y a bien rigoler. Voilà, tout simplement. C'est pas bien, écoutez, au bord. Ah, tu vois ça de ce côté-là, toi? Ah, c'est pas le même monde. C'est... Nous, on est dans la vraie vie. Voilà. C'était de ce monde-là que je parlais. C'est... Je parlais pas de classe sociale ou quoi que ce soit, parce que alors là, là-dessus, classe, différence de classe sociale, noir, blanc, rouge, vert, violet, on s'en fout. C'est... Nous, on est dans la vraie vie, et puis, bon, ben, Facebook, c'est le virtuel. C'est... Voilà. Ce qui est virtuel reste virtuel, hein, bien entendu. Qui c'est qui est intervenu derrière? Ah, Daniel. Oui, j'ai entendu parler derrière, je ne sais pas qui c'est là, qui s'est arrivé fort, les 73 à la station derrière. Daniel Santor, kilomètre 3306, la 73 à la station en avant. Oui, 73, cordial poignée de main à l'ensemble du vaisseau, 14 Oscar Charlie Bravo, Michel, APTH Parapluie. Voilà, je fais juste que le passage, je reparlerai pas. Salut Michel, ça va? Oui, 73, oui, ça va, sur mes revenus de travail, mais moi ça va. C'est bien, comme ça tu vas être riche. Oh, c'est la peur que j'ai. Les 73-51 Michel de Parempuire, de ben, Dandy 33, 14 km 33-01, Rémi actuellement ben, dans les bouchons, sur le lac, voilà là où je suis, le lac de bord de lac, tout simplement. Ah, 73, ah, mais, j'aurais une petite sur le forum, au niveau de mon antenne. Au sujet de mon antenne, il y a une petite erreur. Alors, il se fait bien la corriger. Et puis, alors, moi, l'ordinateur, moi, j'en ai 4. À J3. Et cette fameuse antenne, c'est la J27. Retour, Rémi. Attends, j'ai un petit peu de mal. J'ai les neurones là qui ont eu un petit peu de mal.
J'ai dans ma tête, ça fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Zut, il y a des nœuds qui se sont fait entre. Vas-y, refais-moi ça. Désolé de te faire répéter. Oui, c'est pas grave. Voilà. Donc, je disais que sur le forum, il y a une petite correction au niveau de, à faire au niveau de mon antenne. Voilà. Là, cette fameuse H27, le Sirtel. Sirtel H27? Oui, vas-y, dis-moi. Voilà, alors ce sont deux dipôles alimentés en phase. Voilà, donc sur la traduction que tu as faite, je demanderai à ma fille, quand elle rentrera, je demanderai à ma fille qu'elle t'envoie un petit mot. Voilà, sur la correction, c'est deux dipôles qui sont connectés en phase, qui sont alimentés en phase. Et c'est une large bande, 26-30 mégas. D'accord, et... Ouais, parce que... Ah ouais, ça doit être une traduction de Google que j'ai dû faire, et n'y connaissant rien, ça y est, j'aurais ça à le dire, à l'anglais, ben j'ai pas d'autre choix que de me fier à ce que me traduit Google. Bon, des fois, ça me pète aux yeux, effectivement, je corrige, mais puis d'autres fois, ben je vois pas, malgré que j'ai devant les yeux, ou je ne sais trop. Et je crois que c'est pas en phase qu'il y a des cris, mais une connerie à la place. Je sais plus parce que c'est vrai que sur le groupe Facebook du forum, quelqu'un avait fait la remarque. Et je sais plus si j'ai eu le temps de corriger ça après sur le forum. C'est vrai qu'en ce moment, moi, c'est très compliqué. Hein. C'est très 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 compliqué en ce moment là au niveau temps libre. J'ai jamais été autant pris par le boulot que là. Bah d'ailleurs, hein, la preuve en a encore ce soir. Hein. Là, ça fait 1h05 que j'ai débauché. J'ai toujours pas atteint le pont d'Aquitaine. Hein. Avant-hier, c'était pire. J'ai mis 2h45 à peu près, 2h30, 2h45 pour rentrer. Voilà, alors ça, t'additionnes. Et puis, je suis pas du tout en 8h au niveau journée de travail. Donc, c'est plus compliqué que c'est simple. Donc, au secours. Et quand on me voit sur le forum, quand je réponds la journée, là, comme aujourd'hui par exemple sur le forum, bah, c'est depuis un second compte utilisateur que j'ai là sur le téléphone. Sur le téléphone, je n'utilise pas mon compte administrateur. On ne sait jamais. Je perds le téléphone, je perds tout avec. Hein. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Je veux dire que c'est risqué après la connerie sur le forum. Donc ça, c'est net, c'est pour ça que je prends juste un compte simple utilisateur pour aller dessus. Et ben, quand il y a des trucs, c'est toujours le soir en arrivant, dard, car ben, je me couche aux environs de 22h pour me lever à 5h15 le matin. Alors tu vois que là, ça fait très très court et j'ai vite fait de zapper des modifs à droite à gauche. Quoi. Non, surtout pas, oui. Non, mais il n'y a aucun problème. Alors là, loin de là. Et au contraire, c'est dans ce genre de trucs, comme là, comme cette boutade, que ça rafraîchit la mémoire. Que, ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié de faire cela. De toute façon, et je crois que tu me connais suffisamment bien maintenant par rapport au forum, tout ça, pour savoir que pour me faire tourner au vinaigre, il en faut beaucoup. C'est surtout du côté Facebook que certains y arrivent. D'ailleurs, ils s'en rendent vite compte par la suite. Hachis trois coups. Mais au niveau du forum, alors là, loin de là. Hein. Loin de là, loin de là. Hein. Si sur les réseaux sociaux, ça pouvait se passer aussi bien que ça se passe sur le forum, alors là, ça serait... comment on dit déjà Ah ben, j'arrive pas à trouver ce que je voulais dire. Enfin bon, bref, ça serait un monde merveilleux, quoi. Je sais plus comment je voulais dire ça, mais bon. Ah non, mais là, loin de là. Et puis pour le fait que tu sois encore là, eh ben c'est tout à fait normal quand on est en bonne compagnie. Ouais, c'est ça. Ça c'est pour nous, ça. Ça c'était cadeau pour nous, ça. Oui,
dommage, t'avais pas dire. T'as chié trois coups. Allez, je me sens, j'ai plein de trucs à faire encore. Voilà, merci encore. 73 renouvelés à l'ensemble du QSO. Voilà, 14 Oscar, j'arrive à vous, Michel. Après, quand tu t'es, je sais pas, ouvrir. Au fait, avant de relaisser les micros aux copains, ouais, je suis pas loin d'arriver en bas du pont d'Aquitaine. Je suis à la hauteur de la dernière sortie avant le pont. Je suis en train de faire une vidéo. Michel, si ça te dérange, je couperai toute la partie qui te concerne de la vidéo. C'est pas un problème. Si tu es d'accord, ben pas de problème, ça restera dans la boîte. Non, je suis dans la boîte, ça reste dans la boîte. Ouais, ben voilà. Alors là aussi, si d'habitude je dis que je suis une petite vidéo, là je peux pas le dire, ça marchera pas. Parce que je suis incapable de dire la durée de la vidéo. Là, j'ai redémarré plusieurs fois la caméra. Parce que le truc qui est chiant sur ce type d'appareil photo caméra, c'est que ça marche au compte à rebours. Et tous les, 29 minutes, un truc comme ça, paf, ça se coupe tout seul et il faut relancer. Donc là, j'ai déjà relancé quelques fois. Alors tu vois que le montage fait, ça c'est une vidéo qui sera mise en téléchargement la nuit pendant que je suis au 144 parce que là ça risque de prendre quelques heures, c'est clair. Déjà que, tiens, pour la petite déconnade, quand j'ai fait une petite vidéo à la sauvette comme ça, là, une minute trente, là, sur le téléphone, que j'envoie ça directement, là, sur le groupe Facebook, eh bien ça me met bien une bonne demi-heure pour à la charger, hein. Alors ça te donne une idée là pour quelque chose de plus gros. Et j'en ai une autre là à préparer vidéo là avant celle-ci là au QRA là d'avant-hier. J'ai toujours pas commencé dessus. Celle-ci en suivant. Daniel, au secours, j'embauche. Il me faut une bonne vingtaine de secrétaires, des mignonnes, là, tu les choisis bien. Hein, et pour les mettre tout au travail, parce que là je m'en sors pas. Alors je suis dans la montée du pont d'Aquitaine, retour sur, mais sur Daniel, puisque je suis en train de te parler. Retour à toi Daniel. Oui, salut Michel, salut Michel. Oui, je m'en prie, puisqu'on est à quelques kilomètres de l'autre. Voilà. Ah ouais, Michel, bonsoir, Daniel Fontor, kilomètre 433 de Montis, dans le Pédé de Rogel, voilà. Ok, ben ça fait plaisir de t'entendre. Voilà, oui, mais ben, moi c'est pareil, je suis en direct de Michel. Voilà, donc Rémi, il fait sa vidéo. Donc, moi je fais un direct sur le compte, hein, Kilomike. Voilà, donc c'est bonne solidité à toi. Je vais faire retour sur Gilles derrière, qui est là-bas sur Saint-Loubert. Retour à toi, Gilles. Retour à toi, Gilles. Oui, oui, ça va, je suis pas sûr, hein. Je suis en train de crier. Je vais sur la vidéo, moi aussi. Hein. Je vais te célèbre. Ça marche pas si bien, évidemment. Mon fan club, il s'estompe avec les années. Ah, China. Désolé Gilles, je sais que tu déconnes, mais tout à l'heure Daniel tu l'entendais complètement dans les QRM, alors j'ai fait un QSP là, vite fait à la sommette. Voilà, je suis en haut du pont d'Aquitaine, et bien voilà, ça avance vite ici là, sur Bordeaux quand on veut circuler. Voilà, je suis au sommet du pont d'Aquitaine, donc et bien 18h10, les 73-51, les stations fréquences de la part de Dani 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine, et les QSO du canal 20, et les QSO, les kilomètres, qui commençaient depuis 10 minutes. Putain, je me suis abruti tout seul dans la voiture tellement que j'ai beuglé. J'ai gueulé, merde, j'arrive plus à aligner trois mots. Michel, bon, bah, écoute, c'est vrai que ça serait intéressant de
si tu avais la possibilité. Voilà, pour voir un petit peu. Moi, de toute façon, là, dès que j'ultime un petit peu, là, parce que je suis en train de faire un petit peu, tu verras, sur le groupe, voilà, il y aura des photos, il y aura tout ça. Donc, je suis en train de finaliser, là, de le finaliser là, pour faire une activation. Et puis, voilà. Et par contre, moi, ce que je voulais faire, c'est mettre un petit pôle, donc un petit pôle normal, avec un petit pôle en V, voilà. Donc, par contre, je ne sais pas si... je ne sais pas si ça fonctionnera, parce que il risque d'y avoir des problèmes de... Je vais dire à l'avant, je... au niveau de la présence, marche bien. À environ de 8 mètres. Voilà. Et celle-là, et la H27, je l'ai mis à 6 mètres. Et incomparable. On ne tournait pas la différence entre l'une et l'autre. Donc la preuve qu'à 6 mètres de haut, elle travaille aussi bien qu'à 8 mètres. Donc bon. Mais sur les photos, sur le fond. Encore du bouchon. Ok, Michel, bon, écoute, je te remercie, je vais voir alors. Ok, j'irai voir cette tempête là, parce qu'elle a l'air de pas faire. Elle a l'air de pas faire, cette tempête. Ok, bon, mais écoute, on va passer au premier avantage, Michel, quand t'as bien retenu, t'as des choses à faire. Moi, c'est pareil, pour comme je suis arrivé tout à l'heure, c'est pareil de faire un petit là. Le courage qui continue à suivre la chance de Simon, là, c'est bien ce qu'on peut faire. Voilà, donc, alors, écoute, c'est que. Dès que j'aurai 5 minutes, ben, que le temps me le permettra, là, enfin le temps, voilà, je vais m'y remettre, puisque je vais être obligé de bricoler à l'extérieur, puisque j'ai pas de garage pour bricoler à la machine. Alors sur ce, Michel, merci encore d'avoir répondu à mes questions, là, je vais te faire autour de micro pour le sujet. Je te laisse repartir à tes obligations. Bonjour, Michel. Ça marche, Michel. Et donc s'il y a question à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre aussi, voilà. Donc, et c'est pareil, s'il y a des infos à prendre sur cette antenne-là, je suis preneur, puisque je ne sais pas la longueur d'onde qu'elle fait, et donc il me manque des informations. Donc, en complément d'informations, je suis preneur. Voilà, je suis trois coups. Voilà, mais ça a été un grand plaisir. Merci encore à l'ensemble du QSO de m'avoir répondu. Voilà, 73 et la cordiale poignée de main à l'ensemble du QSO. Et puis, j'ai envie de dire à très très vite pour poser les aériens. 14, Oscar Charlie, bravo, Michel, qui repasse en QRT. À bientôt. Ok Michel, et bien là dans le QSO, tu reconnais tout à fait l'ambiance du forum. Voilà, c'est à l'identique. Depuis le début, j'ai toujours voulu que le forum colle à l'esprit CBI. Et là, tu vois que c'est à l'identique, que ce soit sous le forum comme là sur les ondes. C'est du kiff-kiff bourricot, c'est la même ambiance. Merci à toi d'être passé sur le QSO et bon week-end. Rémi ? Oui ? Il y a une belle qui te dit que t'arrêtes pas de jacter, il faut que tu fermes ta bouche. Quelle est la question ? Je plaisante, je plaisante. Ouais, moi aussi. Ça, on a dit que t'arrêtes pas de parler, il faut que tu fermes ta bouche.
Blap, 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 blap. Je vois que tu t'es éloigné de présent plus, parce que tu arrives au même signal que Gilles. Enfin, je t'écoute à peu près à la même audio que Gilles, là. Hein. Je vois que tu t'es éloigné, là. Ah merde, je manque d'importance d'un seul coup. Ah, ouais, je suis Roca, rive droite. J'ai les stations totales en visuel. Donc, ouais, c'est normal, parce que sur ma droite, je suis un petit peu caché, là, pour le coup. Donc, c'est normal, voilà, j'arrive, ouais, je suis quasiment là sur les stations totales. Ok, excuse-moi, on est au 19h, on va finir. Ok, ouais, non, j'y suis pas encore. Gilles, alors le rendez-vous de 19h. Il est pour les présidents de club et tout. Donc, si il n'a pas oublié, 14 km 5701 devrait y être. Voilà, parce que là, ça doit le concerner en principe. Maintenant, à lui de voir s'il n'a pas oublié. Moi, j'ai transmis l'information. Hein. Ouais, non, mais au niveau du bureau. Ce soir, c'est pas nous, c'est les présidents de clubs et d'associations. Voilà, nous, ça sera au prochain tour. Ok, et eh bien justement, puisqu'on parle de réunion en visio, aussitôt après que le RCI France ait lancé leur salle 2.0 de réunion, j'ai aussi ouvert une salle également pour les kilomikes, la planète semi-francophone. Le lien est sur le forum, à la limite je pourrais te le passer, il n'y a pas de problème Daniel. Mais ça reste, le lien reste perso au forum, aux membres du forum, et putain, je m'étrangle en même temps, et au kilomike. Hein. Voilà, c'est pas pour faire je sais plus comment on dit, de la discrimination. C'est simplement quand on voit comment ça se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas possible, on est obligé de limiter à un certain nombre de personnes, à une certaine tranche de personnes, mais c'est sans aucune discrimination à comprendre là-dedans quelque part. Hein. C'est pour éviter d'avoir du bordel dessus, voilà. Mais autrement, oui, en visio, j'ai ouvert le même salon. Alors je dirais pas de nom là-dessus. Mais je te passerai le nom en message perso, ça sera mieux, Daniel. Non, toujours pas. Attends, je fais un QSY là quelques instants.
il faut que je change la pile de la queue là, de la caméra. Donc ça tombe bien, j'arrive. Non, je suis en bas de la sortie 6. Qu'est-ce que je dis, de sortie 26. J'arrive au pied de la sortie 26, c'est le feu rouge. Je vais en profiter là vite fait là, pour changer la pile de la caméra. Je reviens de suite. Je dis cette antenne là, que t'es en train de faire, elle va te faire passer mieux ou quoi? Ah, parce que si je la monte un peu, c'est pas simple. Déjà, moi, je vais l'essayer à la situation. Voilà, je vais l'essayer au bord de l'eau, sur la Cusac. La Cusac en Médoc, je pense. Je vais l'essayer sur la Cusac en Médoc là-bas. Voilà, donc il faut que je voie. Dès que la propagation va remonter un petit peu, j'espère qu'il y a un peu la propagation va remonter, parce que là aujourd'hui c'était le 15 juin. Voilà, donc un peu, bon, mais oui, c'est après, c'est un petit peu là, donc bon, ça va apporter un petit peu que c'est. Voilà, donc bon, mais c'est le plaisir aussi de construire, voilà. C'est le plaisir de construire. Ah oui, c'est pas pour chez toi. Mais maintenant, et le secret, il n'y en a plus, hein, c'est monter les antennes quand on se reçoit pas. C'est ça le secret, moi je vois que ça. Voilà, puis bon, j'ai pas trop de couverts là, qu'il faut que j'essaye aussi. Voilà, donc bon, mais écoute, là je vais acheter un peu de matos et tout, là, droite à gauche, là. À droite à gauche, après tout, il y a le clair, là, donc pour faire ces expériences là, ces expérimentations. Voilà mon petit Gilles. Quelle amie de retour. Ok, oui, affirmatif. Oui, parce que des vidéos comme ça aussi longues, tu peux pas les charger directement sur Facebook, c'est pas possible. Il faut que ça dure peut-être 2-3 minutes, 5 peut-être, et encore 5 minutes, c'est après, c'est la croix à la bannière pour les charger sur Facebook. Certains se font même carrément refuser la vidéo, et puis voilà. C'est le dernier coup, au QRA. Parce que quand il y a eu la grosse propague là par là, le premier coup, attends, j'ai le téléphone qui sonne, je suis en train de rouler, je peux pas répondre. Eh bien tant pis, il va continuer à sonner. J'ai eu un petit souci au niveau de la radio et j'arrivais pas. Enfin, sur le coup, je voyais pas trop ce que c'était, quoi. Et je pensais que mes réglages étaient bons, ça, ceci, cela, et puis en fin de compte, non. Attends, voilà, que je passe les vitesses, voilà, c'est bon. Donc quelqu'un avait fait, voilà, c'est, j'arrive, hein. Quelqu'un avait fait une petite vidéo de 5 minutes, je crois, là, pour montrer ce que c'est, et bien il n'a pas pu la charger, tout simplement. Donc ça faisait trop gros. Alors que, et l'autre, là, qui passe comme ça sous le nez, hein. Et alors que quand tu fais un direct, eh bien le direct, eh bien tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. Alors, de faire des vidéos comme ça sur Facebook, c'est vrai que, bon, il y a du pour, il y a du contre. Perso, si je dois faire un direct, je préférerais encore le faire sur YouTube, où là, après, tu peux le partager partout sur les forums où tu veux, quoi. Toi, à choisir, quitte à faire un direct, je serais plus pour aller de ce côté-là, quoi. C'est alors que Facebook, c'est un truc fermé, hein. Donc après, pour partager ailleurs sur des forums, et ben c'est mort, quoi. Oui,
en faisant un direct sur, sur YouTube, là tu fais ce que tu veux quoi après, non? Ah ouais, d'accord. Hein. Voilà, je suis sur la nacelle 89 à la hauteur de la sortie de Harking. Mon Dieu, c'est une station importante là qu'il y a là. Il passe fort, il passe fort. Ah, tu m'étonnes. Ouais, non, mais c'est que ça pousse un petit peu derrière aussi. Hein. Et l'autre là il nous a pété une durite. Des mauvais Français. On est censé être sans sommeil et en train de pleurnicher, de se plaindre, de critiquer, d'être toujours négatif. On est des mauvais Français. On le fait pas. Là, ça le fait pas du tout. Là, on n'est pas à la hauteur. Là. Je suis en train de descendre là, vers le petit village de la Poste. Là, c'est un petit peu coriace là, pour entendre quelque chose de ce côté-là. Là. Je ne sais pas qui je dois répondre, à l'ordinateur ou à la base en fait. Eh bien, à la base, eh bien, tiens. Il y en a qui disent que Internet c'est rapide, ceci, cela, c'est on a les infos de suite. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est à la CIPI qu'on a les infos de suite. Et le temps que ça arrive sur Internet et tout ce qui s'ensuit, il y a déjà un petit temps. Ça demande déjà un petit peu de temps. Voilà. Ouais, 45 secondes, un peu plus. Et t'imagines pas, oh putain, tu parles de ça. Je vois moi des fois au boulot, mais je vais pas citer où, hein, c'est pas la peine. Bon, les gens pour entrer, bon, ils doivent, ils ouvrent les barrières à partir de leur badge. Là maintenant, ça demande entre ceci, cela, ainsi de suite, on va dire que ça prend 2 secondes. Il y en a même pas 1 seconde, ça commence à, tu les vois là, c'est au scandale. Une fois, j'en ai dit, il y en a un, je lui dis comme ça, ah, c'est vrai que 1 seconde dans une vie comme ça, attendre. C'est vrai que c'est énorme, hein. Le mec il était d'accord avec moi en plus. Comment te dire qu'il était très sérieux en plus. Ah oui, retour Gilles. Je suis en train de commenter la vidéo, mais je fais des fautes d'orthographe. Oui, tu parlais du portail, d'ouvrir, c'est ça? Non, les gens quand ils arrivent à l'entrée, pour rentrer sur le site au niveau des barrières, toi pourtant, une ouverture de barrière c'est quand même assez rapide. Hein. Bon allez, on va dire, ça prend 2 secondes quoi.
Et il y en a, même pas une seconde, tu les vois déjà s'impatienter, quoi. Et il y en a eu un, une fois, je lui fais la remarque comme ça, je lui envoie une boutade, je lui dis comme ça, c'est vrai qu'une seconde à attendre dans une vie, mais c'est énorme. Et le mec a cassé, il me dit oui. Et il me confirme, il était très sérieux, que oui, une seconde dans une vie, c'est énorme. J'ai dit non, mais quand tu vois des gens qui sont rendus à ce point, là tu te dis, là, il n'y a plus rien à sauver, là, c'est pas la peine. Hein. Ah ouais, je pense que celui-là, pour rentrer chez lui, tout ça, il doit prendre l'hélicoptère, mon ami, on sait jamais, hein, et au cas il perdrait du temps. Donc. On a une seconde sur la rancune, tu vas voir, ils vont sortir, ils sortent le fusil, quoi. Et la vidéo, on la revoit ou c'est un vrai? Daniel, ouais, non mais si, une fois qu'il l'arrête, il fait enregistrer, et puis ça fait son petit truc, là, c'est assez rapide. Hein. Mais moi, j'espère la préparer dans le week-end. Ah oui, il faut. Hein. Il faut, parce que vu la durée est beaucoup trop longue, c'est n'importe quoi de faire des vidéos aussi longues. Mais bon, ça arrange certains mille pattes, hein, comme ça les occupe dans les camions. Hein. Ah, chie. Voilà, vu la durée, de toute façon, je pourrais la mettre en téléchargement que pendant la nuit. Hein. Ça, c'est clair, net et précis, parce que la journée, pour le coup, si j'essaie de faire autre chose à côté, je me retrouve avec moins que du 56K. Ah ben, c'est bien simple. La journée, je mets une vidéo en téléchargement, je peux même pas ouvrir mes boîtes mail, tellement que ça me bouffe la bande passante, tellement que c'est lent. C'est à ce point, quoi. Toutes les stations qui verront cette vidéo, on voit le voir, on n'a fait que SY, on se passe toujours pas bien les micros, mais on a fait que SY, donc on a fait des progrès. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, ben tu verras, avec un peu de chance, on arrivera à en trouver quelques-uns qui diront qu'on n'a pas fait que SY dans les deux secondes. Quoi. Eh bien non, on n'a pas pu. On n'a pas pu pourquoi? On n'a pas pu parce qu'il y avait des stations en AM, il y avait des stations sur la route. Et le canal de la route, devinez lequel que c'est. Nous, on le sait. Et on garde l'info pour nous. Bordelais, c'est ce qui lui plaît. Bon, les enfants, je vais vous laisser, moi. Bisous à tous, bonne soirée. Ok, ça marche. Je sais pas si Daniel y m'entend encore. Donc, les 73-51 à toi. Daniel, si tu es derrière, je vais laisser reposer un peu les cordes vocales parce que moi, c'est du grand n'importe quoi. Je suis tellement content à chaque fois d'être au micro que, heureusement, qu'YL n'est pas à côté de moi. Et pour la petite anecdote, à chaque fois au QRA, je la vois s'échapper. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais laisser reposer les cordes vocales. Je sais qu'en arrivant, elle va me dire « Rémi, je trouve que tu as la voix un petit peu cassée. » Ok, je suis passé en QRT également, donc les 73-51, ainsi qu'à Daniel derrière, ainsi qu'aux écouteurs et écouteuses, de la part de 14 km 33-01, opérateur Rémi de QRZ local, DT 33 en mobile, avec un président Lincoln 2 et une antenne Winsor 5000 qui arrive actuellement sur la sortie 9 pour attraper la rocade de Libourne. Et bon week-end à tous. Ok, merci Daniel, bye bye, à plus. Bye.
Petite vidéo, et bien les stations qui disent qu'on n'est pas des blancs, et bien en attendant, il y a quand même eu 1, 2, 3 stations qui ont pu rentrer dans le QSO. C'est donc que l'affaire marche. Voilà. Allez, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Oh putain, oui, ça va le faire tout à l'heure. Ça va le faire. Ça sent bon ça. Oh oui, et bien ça sera un bonbon pour moi. Ben, ça tombe bien, j'ai un bar chez moi. Il ne doit manquer à servir. Les 73 sont tournés. Bye bye. Bonne soirée, à plus.